Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier FlexiSpot de m'avoir envoyé une chaise ergonomique. Elle est dotée d'une très grande qualité et d'un excellent confort, mais surtout, elle prend soin de notre dos quand on passe énormément de temps assis devant un PC un peu comme moi. Pour avoir eu des sièges gamers, je peux vous garantir que cette chaise ergonomique est bien meilleure, c'est le jour et la nuit. Vous pouvez la retrouver sous la référence BS10 sur le site FlexiSpot. Elle est dotée d'un appui-tête réglable qui peut être incliné vers le haut et vers le bas. Un point essentiel, c'est le soutien des lombaires qui peut également être réglé et qui permet d'avoir un soutien flexible pour le corps, ça permet d'éviter les douleurs dans le dos, c'est pas négligeable. Il y a aussi une poignée multifonctionnelle pour régler la hauteur du siège en fonction de votre taille, mais également pour régler la résistance de l'inclinaison du dossier. Et bien évidemment, la chaise est sur roulette pour vous déplacer très facilement sur tout type de sol. Cette chaise me permet de garder une excellente posture et j'apprécie ses accoudoirs réglables. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, la qualité est optimale. De plus, sur le site FlexiSpot, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo avec toutes les infos. Vous pouvez bénéficier d'énormes réductions et surtout avoir des commandes gratuites les 22, 25 et 26 mai à partir de 9h si vous êtes dans les 5 premiers à commander. Leur point fort est également les bureaux électriques qui permettent de travailler assis ou debout en fonction de vos besoins. C'est ce que j'utilise depuis longtemps pour mes lives et vidéos et j'en suis très satisfait. Je rajoute que vous pouvez personnaliser le bureau selon vos goûts. Vous pouvez choisir les pieds électriques, leur couleur, la taille du plateau, également si vous souhaitez un plateau d'angle et bien sûr, personnaliser la couleur du plateau également, et bien d'autres encore. Il y a vraiment tout type de forme pour ces bureaux, selon vos besoins et agencements. Je trouve ça vraiment très cool de pouvoir personnaliser selon ses goûts et couleurs. Alors n'hésitez pas, je vous le redis, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Encore merci, FlexiSpot. Yeah! Yo tout le monde, c'est Fanon qui se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Vidéo invocation sur le compte de mon fils Aïssa. Comment vas-tu? Coucou tout le monde. Il est à fond dedans. Coucou tout le monde. Alors oui, je vous l'avais dit hier lors de mon live. Je vous avais dit, on ira invoquer sur le compte de mon fils pour avoir 5 personnages LF garantis. T'es content? Oui. Ah bah là, ouais, il est content. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement, c'est parce que bah, quand tu viens de commencer ton compte et que t'as pas énormément de personnages, le fait d'avoir 5 élèves garantis, c'est pas souvent que Dragon Ball Legends le font. Donc là, pour 5000 cristaux, vu qu'il a farmé 11 363 cristaux, t'as bien joué quand même. Hein. Oui. Franchement, il a bien joué. Donc tu te dis, vas-y, il va gaspiller 5000 cristaux. Il va lui en rester un peu plus de 6000. Il a encore le mois d'histoire et tout à faire. Donc vas-y, ça va te faire 5 persos élèves. C'est quand même pas mal quand tu commences le jeu. Alors, on va aller voir les persos. Du coup, tu vas me dire ce que t'as envie. Trunks, ça te plaît ou pas? Un petit peu, d'accord. Le Goku SJ3. Ouais. Ok, bon. Ou lui, ça va beaucoup. Ça va beaucoup, il a fait... Lui, ça va beaucoup. Bon, je sais que Goku Ultra Instinct, forcément, il l'a vu. T'aimerais bien l'avoir. Oui. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il aimerait bien l'avoir. Il a fait comme ça. Alors, lui, ça va beaucoup. Ça va beaucoup quoi? Oui, tu le veux. Ok, les cyborgs. Ouais. Ouais, il a fait ouais. Jiren. Ouh là là, il a vu. Ok, oh. Badak, bah oui, t'aimerais bien l'avoir. Ouais. Ouais, ouais, il a dit ouais, il aimerait bien l'avoir. Oh, ça c'est quoi ça? Ça va piquer. Ça va piquer fort si ça arrive en PP. Il se bat contre Broly. Exactement, c'est les deux qui se battent contre Broly. Vous avez vu ou pas? Il connaît lui. Eh, tu connais toi, tu connais le film DBS Broly. Vous inquiétez pas. Donc oui, bien évidemment, Goku et Sejibu et Vegeta et Sejibu, il aimerait bien les avoir. Et il a dit, en plus, il se tape contre Broly, tu vois. Il sait. Bon, le Trunks CP Genkidama. Oui. Ouais, il aimerait bien. Cell. Ça va. Ça va. Ok, Vegeta Ozaru. Un petit peu. Un petit peu, ouais, un petit peu. Et du coup, le Trunks. Ok, donc... Il veut Goku Ultra Instinct, Jiren Full Power, Badak, les CJ Blue, comme d'habitude. Max de pouce bleu mon Genkidama, je compte sur vous et réagissez dans l'espace commentaire. C'est quoi, vas-y, c'est toi qui va invoquer, vas-y. Tu mets le doigt, hop, vas-y. Et vas-y, c'est parti. Allez, on est parti. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh. Les montagnes, alors de toute façon... C'est LF garanti. Mais on peut peut-être avoir deux LF dans la même multi. Donc tu vas glisser après le doigt. Vas-y. Fais gaffe qu'on ne voit pas la caméra. Hop. Oh, oh. Vegeta Blue. Wesh. Ça
ça va piquer. Non mais depuis quand il y a Vegeta Blue? Normalement c'est Vegeta Blue avec Goku et Sejibu. Ça, alors ça c'est Jiren EX. Mais hé, les amis, c'est nouveau ça. Vegeta Blue qui arrive aux côtés de Goku et Seiji. Je ne connaissais pas. Ok, vas-y. Appuie. Ok. Vegeta, très bien. Yamcha. Cyberman. Majin Buu. Allez, ok. Muten Roshi. Goku. Oh. Gohan, ok. Allez, ça va être quoi le LF? Ça va être quoi le LF? Allez, attention, LF. Ok. Freezer full power. Ok, bon. C'est pas mal non plus. Franchement, c'est pas mal. Mais bon, vas-y, clique. Ok, bon, Freezer. Bon, bon, il fait pas partie du détecteur, mais bon. Au moins, bon, t'as déjà encore un nouvel LF pour la team LOE. Pourquoi pas? Alors, première multi, du coup, Freezer full power. C'est pas si dégueulasse que ça. D'accord? Ouais, bon, il s'en balance. Il s'en fout de Freezer, voilà. C'est clairement. Tu t'en fous? Ouais. Voilà, il s'en balance. Allez, vas-y, recommence. Yeah! Allez, c'est parti. Let's go. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir là? Qu'est-ce que tu vas avoir là? Encore les montagnes? Les... Oh! L'espace. Avec la nouvelle animation de Jaco, les amis. Pour ceux et celles qui n'avaient toujours pas vu les nouvelles animations. On a Jaco qui passe. Incroyable. Incroyable. Oh, glisse arc-en-ciel. Fais gaffe. Oh, Broly. Ça arrache sa tête. Ça arrache sa tête, il a dit. Incroyable. Prépare-toi. Jaco, Broly. Là, faut un bête. Vegeto Blue, ok. En plus, il le veut. En plus, il le veut, c'est vrai, il veut Vegeto Blue. Mais, est-ce que tu vas l'avoir dans la multi? Ça, on sait pas. Mais ça peut sentir le personnage détecteur. Je sais pas trop comment que ça se passe pour les nouvelles animations. Est-ce que c'est détecteur avec Jaco ou pas? Premier élève. Non, j'allais dire premier élève, mais non, c'est un C15 que tu n'avais pas, dommage. Ok, let's go, Ginyu. Gohan. On pourrait avoir deux élèves, hein, en vrai. Hein. On pourrait avoir deux élèves. Ok, Paikuan. Cell Junior. Muten Roshi. Il y a beaucoup de héros là. Ok, le LF. Ok. Oh, Vegeto. Oh, ça, c'est bien ça. Oh, que oui. Oh, que oui, il a dit. Au moins, t'as le Vegeto Super Saiyan. Elle a dit oh, oh, que oui, c'est bien. C'est bien ça. Tu vois, t'as eu Vegeto. Ça, c'est cool. Vas-y, appuie. Voilà. Ok, fais juste attention, tu vas regarder ici pour pas que tu mettes ta tête, d'accord? Comme ça, tu me donneras pas trop de boulot au montage. Ok, vas-y, let's go. Ok, bon, hé, franchement, hé, t'as eu Vegeto là. C'est pas un Vegeto Blue, mais au moins, c'est Vegeto Super Saiyan. Tu voulais un Vegeto. Maintenant, t'en as un. En plus, il est pas si dégueulasse que ça, tu vois. Regarde, hé, il est stylé, hein? Ouais, ah, franchement, ouais. Il avait, oh que oui, ah, il était content le Vegeto. Allez, vas-y, troisième. Ok, 3, 2, 1, yeah! Allez, c'est parti. Max de pouce bleu, les amis, en mode Gunkidama comme d'habitude. Et on compte sur vous pour vous abonner et partager. Réagissez dans l'espace commentaire. Let's go. 5 capsules. C'est plein de la hesse. 5 capsules. Il prend le dessus. Ok. Glisser arc-en-ciel. Alors, est-ce que glisser arc-en-ciel garantit en fait les LF? Vu que là, on est sur des animations... Oh, Ryuken! Vu qu'on est sur des animations LF garantie, peut-être que hors anima... enfin, hors invocation LF garantie, peut-être que le arc-en-ciel, ça garantit à LF. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas encore assez bien les nouvelles animations. On découvrira ça ensemble pendant l'anniversaire. J'ai hâte. Je vous rappelle d'ailleurs, l'anniversaire, c'est samedi prochain, dans une semaine. Je serai en live YouTube à partir de 3h30 du matin. Vegeta Ozao. Ouais. Bon, c'est un... Oh, il va y avoir un deuxième. Deuxième. Deux LF. Oh, Vegeta Blue, c'est bien quand même. Ouais, c'est bien. Bah oui, franchement, c'est bien. Au moins, ça te fait un deuxième élève. Vous avez vu, là, c'était rentable. 1000 cristaux, 2 LF. Vous comprenez pourquoi je lui ai dit, vas-y, dans ce cas-là, il avait envie de se faire kiffer. Je lui ai dit, vas-y, bah, dans ce cas-là, invoque sur le portail élève garanti. Donc là, il est sûr et certain d'avoir au moins 6 LF
pour 5000 cristaux. C'est quand même pas mal. Allez, vas-y, tu peux. Allez, 3, 2, 1. Yeah! Allez, ah bah tu t'es raté. Mais c'est bien, ça c'est les feintes. Vous savez, les petites feintes à Ludivine. Elle est bien, Ludivine, feintée. Bon, en ce moment, c'est pas le Ludivine, mais bon, c'est tout ou jamais. Elle est bien, la chaise. Oh là là. Oh, Jaco, dans les montagnes. Ça peut être du lourd. Franchement, je suis bien, les amis, sur la chaise. Oh là 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 là. Peut-être ça peut être bien. Qu'est-ce qu'on est bien sur la chaise, les gars? Masterclass. Ok, glissez hors. Broly. Il n'y a pas de Broly. Ok, il prend le dessus. Ok. Ok, très bien. Allez, vas-y, appuie. Ok. Goku. Attention, est-ce qu'on peut encore avoir 2 LF? Imagine-toi, t'as 2 LF, ça ferait 7 LF minimum pour 5000 cristaux. Ça serait rentable de ouf, en vrai. En vrai, ça serait rentable de ouf. Ginyu. Ok, allez, le LF. Goten. Oh, celui-là, on s'en balance. Hein. Ouais, il me fait, ouais. Vas-y, clique. C'est pas ouf, hein, Goten. Hein. Goten, c'est compliqué, hein, quand même. Mais bon, au moins, c'est vrai que il est type violet avec le Végéto. Ils sont SSJ, tous les deux. Ouais, mais non, parce que lui, ça, c'est un métis. Ouais, non, je dis n'importe quoi. Non, c'est zéro. J'essaie de le rassurer, mais non, c'est zéro. C'est zéro. Ok. Vas-y. Alors, là, maintenant, c'est la dernière. Donc là, faut le Migaté ou le Tag SSJ Blue ou Badak LF ou le Végéto Blue. Ou voilà, un truc. Voilà, pour le faire kiffer. On est d'accord? Oui. 3, 2, 1. Yeah! Allez, c'est parti. Max de pouce bleu, s'il vous plaît, au Magan Kidama. La dernière multi. Allez, fais plaisir, le jeu. Fais plaisir. Dis-lui, fais plaisir. Fais plaisir. Fais plaisir. Oh! Pas mal, Shenron dans les montagnes. Shenron dans les montagnes, on prend. C'est pas mal, ça. Ok, let's go. Bim! Il prend le dessus. Ok. Let's go! Et d'ailleurs, Broly! Ça peut être du lourd, ça peut être du lourd, on va voir. Et d'ailleurs les amis, je tiens à le préciser, demain dimanche, je ferai une vidéo réaction à la suite de la partie 4 entre Dragon Ball versus One Punch Man, Goku contre Saitama. Je réagirai en vidéo ce dimanche. Donc si vous avez envie de voir cet épisode incroyable, eh bien activez la cloche. Allez, let's go. Donc là ça peut être lourd, hein. Là ça peut être lourd. Hein. Sans heure. Yabé. Un Goku, c'est pas mal. Franchement, Goku SSJ type vert, c'est intéressant avec le Végéto qui est également, le Végéto LF que t'as chopé qui est également SSJ. C'est pas mal, ça fera des choses assez intéressantes. On pourra voir ce qu'on peut faire avec la team. C'est 19. Végéta. Kid Buu LF. Bon, en vrai, ça va, Kid Buu LF, ça va. Ouais, ça va. Ouais, tu l'avais déjà celui-là? Oui. Non. Le Kid Buu LF? Tu l'avais pas en LF? Si? L'Ultra? Ah, mais non, c'est pas. Mais non, mais toi t'as même pas l'Ultra. C'est moi qui ai l'Ultra. Non, il est nouveau. Maintenant il est nouveau, donc tu l'avais pas. En fait, toi je crois que t'as le Kid Buu type vert qui a farmé, tu vois. Mais celui-là tu l'avais pas. Bon, en vrai, ça t'a fait 6 LF pour 5000 cristaux. C'est très rentable. T'as 6 nouveaux persos qui sont plutôt pas mal pour faire du mode histoire, des events, etc. C'est quand même pas mal, voilà. Donc voilà les amis, on a fait les invocations Sparking Legends Limited LF garantie sur le compte de mon fils. T'es content quand même? Oui. Ouais, c'est bon. Tu leur dis de mettre des pouces bleus? Mettez des pouces bleus. Pouces bleus. Pouces bleus. Merci à vous, abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à réagir, à partager, activer la cloche pour recevoir les notifications. On se retrouve demain en vidéo YouTube et n'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités. Priorités, voilà. Ciao. Ciao. Ça, ciao, ça tu sais faire, ça. Ça tu sais faire.